j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore pour une nouvelle vidéo comme chaque dimanche. Et aujourd'hui, c'est une vidéo que je prépare depuis un petit moment, puisqu'il s'agit d'un swap. Tout se casse la gueule. Le carton est énorme. Et je ne tourne pas chez moi, je tourne chez ma copine Ludivine de la chaîne Double Lu avec qui je fais donc ce swap. Et je tourne chez elle puisque je suis en avion et pour retourner à Montpellier avec ça, je vous laisse juste imaginer que c'est pas possible. C'est fixé un budget et un nombre de cadeaux. Je ne suis pas sûre que ça a été respecté l'un comme pour l'autre, on verra bien. En tout cas, j'ai trop hâte d'ouvrir ça. En plus, c'est son premier swap vu qu'elle débute sur YouTube. Du coup, je suis très honorée de faire ce premier swap avec elle. Et moi, j'adore faire ce genre de vidéos, ce genre de... Voilà, je blablate là, mais on commence de suite. Le carton est ouvert, c'est trop joli, j'ai trop hâte de commencer. Donc, j'attrape le menu et j'arrive de suite. Voilà, le menu est dans une petite enveloppe toute rose, comme j'aime. Donc, on ouvre ça. Ma petite Juju, quel plaisir j'ai eu à te préparer ce swap, mais aussi quelle galère, car tu as déjà tout. Bon. Je suis alors partie sur des choses plutôt inhabituelles pour un swap. Ne t'attends pas à trouver que du make-up, on en est loin. Bon allez, c'est parti. Tu trouveras un numéro sur chaque paquet avec une petite étiquette t'indiquant un indice. J'espère que ça te plaira, tu sais déjà tout. Je t'aime très fort, ta Lulu. Bien. Parfait. Il y a des goodies. Le numéro 1 avec un joli paquet et une petite étiquette. For my love. Yes, I know. Alors, tu en auras plus l'utilité à Montpellier que moi à Paris. N'essaye pas de faire des pronostics parce que je suis complètement nulle. Oui, c'est sûr. Ouais, c'est une serviette. Je regarde là parce qu'elle est là. C'est une trop belle serviette de plage. Et en effet, regardez-moi ça comme elle est belle. J'adore ça et en effet j'en ai bien l'utilité. Puisque moi, il fait beau. J'ai la plage, la piscine, les rivières, tout ce qu'on veut. Et voilà, elle est trop belle et j'adore les serviettes de plage. Je n'en ai qu'une en plus. Donc ça sera très bien pratique. Très bien pratique bien sûr. Comme ça, eh bien, je pourrais... interversée entre les deux, ça se dit pas non plus, je suis surexcitée. Elle est trop belle. Elle vient de chez Primark, comme ça si jamais vous voulez aller la chercher, vous le savez. Un petit goodies, une petite trousse, vous connaissez mon amour pour les rayures, les flamants roses, le rose et les trousses. Elle est trop jolie, c'est une petite trousse comme ça et j'adore les trousses. Et c'est un goodies, donc voilà. Trop chou. Regardez encore un goodies. C'est un petit carnet rayé avec des flamants roses. On est dans le thème rayures flamants roses. Il est trop chou. Trop mignon. J'ai trouvé le numéro 2 après 3 heures de bataille. Les paquets sont trop jolis. Alors l'indice. Pour faire de jolis rêves. Zzz, un pyjama. J'ai dit que je faisais pas de pronostic. Mais bon là. Je pense que c'est ça. C'est un petit pyjama trop mignon Daisy. Regardez. Un petit short Daisy. Et le t-shirt avec. Il est trop beau. Il fait très princesse, très girly, très Disney. Le numéro 3, encore un très joli paquet. Ça sent. Pour une petite pause douceur. Ça sent trop bon. Je connais mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. Ah si, c'est du thé. Oh ben alors là les gars. Oh bah, dans ce cas-là, on est ok, 4 sachets de thé. Et je les connais en plus, c'est... Alors je ne sais absolument pas comment vous prononcez ça. C'est une boutique qu'il y a à Aéroville, si jamais il y a des gens du coin, qui se situe donc à Roissy. Et c'est Sostren Grens, je crois, je ne sais pas, enfin bref. Les sœurs du Danemark. Ouais, en français ça donne les sœurs du Danemark. Et j'aime trop cette petite boutique. Et ils font du thé en vrac et j'en avais déjà acheté un paquet qui était très bon, donc je suis ravie. Alors on a du thé vert Sancha au citron, c'est ça qui sent le plus dans le paquet, ça sent très très bon. Du thé noir de printemps de Chine, c'est tout un programme. Rhubarbe gingembre, j'adore la rhubarbe en plus, il sent trop bon. Et thé noir aux fruits des bois, alors là oui ça... Ça j'adore, j'aime tout, voilà. J'adore le thé, je crois que vous le savez. Donc parfait, c'est parfait.
goodies. Les graines de tournesol, j'adore ça. On en bouffait trop quand on était toutes petites, toutes les deux. Et j'adore ça maintenant. Et j'en aime toujours ça. Et avant et après, et toujours. Je vais me le faire dans l'avion en retour. Numéro 4. Alors en plus, elle a rassemblé des trucs ensemble. Donc bon, voilà. Bravo, ma petite. Bravo. En cuisine. Ah ah. Alors moi, j'adore la cuisine. Elle aussi, d'ailleurs, je le sais. On aime cuisiner. Je suppose, vu la forme, que c'est une mason jar. Voilà. Je suppose. Non, elle est trop jolie. Regardez-moi ça, la paille rose fluo, le petit couvercle rose et tout. Elle est trop belle. J'en ai qu'une et elle est bleue. Donc maintenant, j'ai sa sœur, elle est rose. C'est parfait. Elle est marquée original dessus. C'est l'original, c'est le modèle original. Un peu comme moi. Pour aller avec ça, il y a un truc impalpable. C'est adorable et il y a marqué Be Happy sur le gant comme sur le petit dessous aussi. Et c'est trop chou, franchement j'adore. On n'en a jamais assez et le mien est pourri en plus. Donc voilà, quoi, tu vois comme quoi les choses font bien les choses. 5, le voici, c'est une grosse boîte. Fondant, coulant, miam. Encore de la cuisine je suppose. Moelleux et cœur fondant, c'est pour faire des petits gâteaux. Oh, pour faire des petits moelleux. Petit kit pour faire, il y a 4 petits moules et derrière vous avez le petit livre pour faire tout ce qui est fondant, moelleux, etc. Donc chocolat ou autre apparemment vu les dessins et c'est juste trop chou. Ah oui, recette salée et sucrée, trop cool. Le numéro 6 c'est un gros cadeau et alors elle vient exploser de rire, elle se marre toute seule donc apparemment c'est un cadeau rigolo. Qu'y a-t-il marqué ? On cuisine à la mode italienne. Ah la cuisine, dis donc, je vais inviter tout le monde à venir manger chez moi maintenant. Pourquoi la mode italienne? Ah, risotto! Mon premier risotto. Le kit parfait, ustensiles, mesures et recettes. Eh, c'est pas excellent ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. Le petit livre ici et vous avez les spatules, la mesure, tout ce qu'il faut pour faire un risotto parfait. Chose que je n'ai jamais fait de ma vie parce que j'ai l'impression que c'est très dur. Mais je vais du coup faire un risotto et un dessert en fondant au chocolat. Le 7, je la balance, elle a fait une raturation, elle a fait un cœur, genre j'allais pas voir la raturer. Non mais oh... On l'a fait pas avant. Alors le 7. 4 de tes produits favoris. Enfin je crois. C'est des bébés livres. Je les aime trop ceux-là. Je sais qu'est-ce que c'est. Après voyons voir si c'est 4 de mes produits favoris. Alors nous avons la vache qui rit. C'est une folle de vache qui rit. Qui rit sans mort. Est-ce que vous voulez? On a la crème de marron. Et alors la crème de marron laisse tomber. C'est toute ma life. On a l'ail, parce que j'adore l'ail, parce que puer de la gueule, c'est ma passion. Et... Vous ne savez même pas que ça existe un truc pareil, le jambon blanc. Donc le jambon et moi, c'est une histoire d'amour et en même temps de haine. Parce qu'il faut que je vous avoue, mais je pense que vous l'avez déjà vu dans un vlog de Léa, je choisis mes jambons en fonction de leur beauté à travers le paquet. S'il n'est pas beau, je ne le prends pas. Donc là, je vais pouvoir me battre avec du jambon pour faire des super recettes. Numéro 8, pour de jolies lèvres. Ah, on a dit pas make-up, mais peut-être un peu comme ça. Oh, il est trop beau. C'est les NYX, je les adore. Bon, je suis un peu teubée comme fille, et du coup j'ai fait le swatch à l'envers. Regardez comme il est beau, franchement. Il est magnifique. Le numéro 9. Alors, blanc comme neige. Trop beau. Il est trop chou. C'est un petit pull un peu crop. Ouais, je crois que... Non, il a pas l'air si crop. Mi-crop, mi-pas crop. Il est trop joli pour cet été, le soir. C'est trop chou. Ça vient de chez H&M. C'est un petit pull blanc avec le bas en dentelle. Et alors moi et la dentelle, j'adore. Et le blanc, j'adore. Et avec un beau collier là, comme j'aime, coloré. Ça sera trop beau, franchement. Parfait. C'est un très, très bon choix. Le numéro 10, encore attaché. Elle est pétée de rire derrière la caméra. Je ne sais pas pourquoi. La main verte? Ah, point d'interrogation. PS, je veux goûter tout ça quand je viendrai cet été. Oh putain. Tu vas refaire du jardinage, je le sens. Franchement, je m'avance pas, mais j'ai vu chez Emma des trucs pour faire ses plantations soi-même, genre des fraises, des machins, des trucs. Si c'est ça. Je rigole, parce que je les voulais, mais que j'ai pas de Emma chez moi. Donc, si c'est ce style-là. Oui, je les reconnais. C'est cela. Ah, c'est les fraises. Bah voilà, elle met, c'est dingue, on doit être connecté, je pense que dans une autre vie on était jumelles.
c'est pour faire ses propres fraises. En fait, t'as le kit. Oh non, mais c'est excellent. Tu gardes le pot même, hein. Je crois que t'as ton kit pour faire directement tes fraises. Tu laisses dans ton pot, tu mets ça sur ton balcon et t'as des fraises. Bon, je ne te promets pas que les fraises seront prêtes cet été. Mais peut-être l'été prochain ou au printemps prochain, peut-être à la rentrée ou quoi, tu viendras manger des fraises avec ton fondant au chocolat. Et le deuxième paquet qui était accroché avec. Comment c'est absolument trop mignon. Ah non mais alors ça c'est... Hey, mais c'est incroyable. Soit elle a mis des caméras chez moi, soit on est réellement connecté, soit je lui raconte ma life et elle retient tout, mais je ne crois pas avoir parlé de ça. Je me suis fait une énorme jardinière sur mon balcon et il y a toutes les plantes aromatiques que vous voulez, sauf du basilic. Voilà. Et donc là j'ai le basilic et les bébés tomates. J'adore les bébés tomates. C'est pas trop mignon franchement. C'est trop chou. Je vais rentrer, je vais faire du jardinage, hein. Je vous le dis tout de suite. Merci les kilos, merci Lulu. Bon bah voilà, bravo. Bon, remarquez, il y a Orange is the New Black qui reprend en juin. Donc je vais le garder pour mes soirées séries sous la couette. Ouais. Regardez encore un goodies, un petit coloriage. J'adore les coloriages, elle le sait, vu qu'elle m'en avait déjà offert un. Bon, je peux enlever ça, remarquez. Et il est juste trop trop beau celui-ci. Et voilà, il est trop beau. C'est rose en plus, donc... J'adore les coloriages, je sais pas si vous le savez, bah je vous le dis. Bon, ma caméra a coupé, heureusement je m'en suis rendu compte très vite et j'ai eu le temps d'ouvrir le numéro 11. Mais tant pis, voilà, ça fait partie du truc. Le paquet était trop chou puisqu'ils étaient attachés tous les trois. Des trois petits bougeoirs comme ça où il y a marqué des petites phrases dessus en anglais. Ils étaient absolument trop mignons et que dessus j'allais mettre des petites, j'allais mettre des petites bougies à la citronnelle ou quoi, ou de couleur pour les mettre quand je fais des barbecues dehors sur la petite table de mon salon de jardin. Ça serait juste trop trop mignon. Le numéro 12, on arrive à la fin et j'aime pas ça. Si je pouvais faire des soupes tous les jours, je le ferais. Victoria, trois petits points. C'est du Victoria's Secret. C'est une brume, écoute, Juliette, réfléchis, palpe, fais quelque chose. Oh, strawberry and champagne, I don't have it. Oh, ça sent trop bon. Je la connais, mais je l'ai pas, je l'ai jamais. Qu'est-ce qu'elles sont bonnes. C'est une brune Victoria's Secret, j'adore ça. Voilà, j'en ai une nouvelle pour l'été. Elles sont trop bonnes, j'adore. Merci Lulu. Numéro 13. Bonus pour Doudou. Ah, c'est pour mon Doudou. Alors, ça, ça va. Qu'est-ce que c'est pour mon Doudou? Oh là 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 là. Oh là 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 là, mais ça va pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une tétine? C'est un jouet? Alors, ça fait du bruit évidemment, sinon c'est pas drôle. Doudou adore les jouets qui font du bruit. Et en fait du coup quand elle l'a dans la gueule comme ça, tu tires dessus et elle a un nez de cochon à la place de sa tête. Mon pauvre Doudou. Elle va être trop contente, un nouveau jouet. Oh non. Ça, alors ça, elle est au régime. Mais bon, sa tata qui lui offre, donc on peut rien dire. Des petites friandises et même le paquet est rose. Franchement, voilà, trop chaud. Arôme crevette et bœuf. Oh là là. Et voilà, le swap est fini. Je suis extrêmement gâtée, extrêmement contente. Franchement, j'ai rien à dire. Tout me plaît, elle me connaît par cœur. C'est absolument trop mignon. Donc un énorme merci à toi Lulu. Et puis ben, j'ai hâte de voir tes réactions face à ce que je t'ai envoyé. Tout sera dans la barre d'infos. De toute façon, vous pouvez donc retrouver facilement sa vidéo. Sa vidéo pour voir ce que moi je lui ai envoyé. Et regarder par la même occasion ses autres vidéos, puisqu'elle fait un super travail. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous. Ciao !